Alors, nous sommes au chevet de la chapelle. Je dis bien chapelle et non oui. pas église, non, église malgré ses grandes dimensions. Est importante, hein. Le directeur de l'école souhaitait vraiment rendre hommage aux victimes de la guerre. Oui. Et donc, on voit tout le travail du béton, les formes rendues possibles par le béton armé, par cette technique assez extraordinaire, oui. y compris pour ces deux petites chapelles arrondies, suspendues, qui oui. n'ont pas besoin de piliers pour être soutenues. Ce sont les ferrailles du béton qui maintiennent l'ensemble de ces ouais. formes. De même, le béton évite d'avoir des contreforts sur les côtés, sur les murs ouais. de côté, pour soutenir l'ensemble, contrairement à une église romane ou une église oui. gothique où les contreforts sont multiples. Et de ce fait, cela permet aussi d'avoir des ouvertures beaucoup plus larges, ouais. ce qui explique que cette chapelle soit si claire à l'intérieur. D'accord, merci. Voilà un autre point de vue de la construction et en même temps une vue sur ce clocher qui oui. fait 24 mètres de hauteur oui, quand même, et oui. qui est placé en fronton de, oui. de la chapelle. Et en fin de compte, la chapelle est aussi haute. Oui. Presque, oui. Bon, ben merci Madame Mulot, Françoise, pour toute cette historique de cette chapelle.